venant de Mboma, mon prénom c'est Narcisse. Pour ceux qui me connaissent, ça va faire 40 jours que je suis malade. 40 jours. Et dans la maladie, j'ai fait des hôpitaux et j'ai été approché par un de mes petits frères qui m'a conseillé de venir à cette église. Regarde les récits. Je vous assure que ceux qui ont fait les mathématiques, il y a un chapitre qu'on appelle les puissances. Et donc, bien avant de venir à cette église, bien sûr, je devais peut-être être à, comme on le dit, par exemple, X puissance 4. Et je vous assure que la persécution a allé à peut-être X puissance 10. Mais je ne me suis pas découragé. Et donc, samedi, il s'est passé quelque chose de très extraordinaire dans cette église. Je suis arrivé samedi, j'ai été entretenu par vendredi. Donc, samedi. Vendredi. Donc, en terminant la séance, vraiment, j'ai été persécuté. J'étais accompagné de mon petit frère Herman. Donc, j'ai eu une crise de tension qui m'a sérieusement fracassé. Et c'est même lui qui m'a aidé à prendre un taxi pour me rendre à l'hôpital militaire en urgence. Depuis que je suis déclaré hypertendu, je n'ai jamais atteint le seuil de 20. Les médecins, ils appellent 200. Donc, ce vendredi-là, j'ai atteint le seuil de 200. Et donc, je ne suis pas loin, effectivement, je n'étais pas loin de faire un AVC. Donc, là, j'ai appelé Rosaire pour me faire une prière. Et nous avons persisté. Mais, en suivant ça, je suis arrivé à un stade où le désespoir m'a habité. D'ailleurs, hier, s'il est là, j'ai dû l'appeler pour dire, Rosaire, est-ce que tu as de la place chez toi pour que j'y passe la nuit? Et Rosaire a dit, Narcisse, rappelle-toi, je t'ai donné 4 choses, parmi lesquelles il y a la volonté et la foi. En fait, je voulais insister sur ces deux éléments, la volonté et la foi. Et je voulais nous interpeller tous à avoir la volonté et la foi et y croire. Et Rosaire, on a prié au téléphone, il m'a dit à la fin, Narcisse, aie la foi et la volonté. Et je veux te voir demain à l'église. Je vous assure que ce matin, en me levant, j'ai dormi comme. Je n'ai jamais dormi comme ça depuis que je suis là. Donc je voulais témoigner de ça, d'acclamer le Seigneur, d'avoir eu ce sommeil, un sommeil de bébé. De 21h jusqu'à 6h du matin. J'ai ouvert les yeux, il était 6h. Donc, chers frères et sœurs, ayons la foi et la volonté, et le reste, le Seigneur va pouvoir arriver à nous.